Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mystère Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler de drones et plus particulièrement du nouveau produit de DJI qui est sorti il y a quelques jours, le DJI Mini 3 Pro. Et je vous pose la question par le biais de cette vidéo, est-ce que ce produit, le DJI Mini 3 Pro, avec toute sa gamme et toutes ses variations et toutes ses options, est-ce qu'il est fait pour un débutant, pour débuter à voler avec un drone, ou si il faut se tourner vers d'autres drones de la gamme DJI, que ce soit le Mini 2 ou le DJI Mini SE, qui est le drone d'entrée de gamme de chez DJI, ou s'il faut se tourner sur un autre produit aussi de la gamme DJI, qui est en ce moment avec des offres intéressantes, comme le Mavic Air 2, en combo bundle Flymore, qui est très intéressant parce qu'il regroupe en plus l'assurance car fraîche, plus plusieurs batteries, un sac de transport et tout ça. Et ce combo est à seulement 839 euros actuellement. Donc on va comparer un peu tout ça et voir ce qu'il en est, si le DJI Mini 3 Pro est un bon produit pour faire un début de, pour commencer avec un drone, ou si il faut se tourner vers d'autres produits de la gamme DJI. Voilà, allez, on commence par le générique et on va voir ça. C'est Mister Gadget. Alors, pour le DJI Mini 3 Pro, c'est un produit qui vient de sortir. Donc je ne vais pas faire une revue test, hein, parce que vous avez compris, je me pose la question de trouver un drone pour vous, ceux qui suivent cette chaîne, pour voir si au niveau budgétaire c'est intéressant, et avec les capacités que renferment tous ces drones. On va comparer juste ça pour voir si en fait le DJI Mini 3 Pro est vraiment le produit qui est fait pour débuter. Donc on va parler du prix d'abord. Alors le DJI Mini 3 Pro commence à partir de 739 euros. Alors c'est un produit à 739 euros mais qui est sans manette, parce que ce produit là on peut mettre la manette du DJI Mini 2 pour ceux qui ont déjà le Mini 2 et qui veulent upgrader leur offre. Donc la manette du DJI Mini 2 va sur le DJI Mini 3. Donc dans ce cas de figure, il n'y a pas besoin, DJI permet d'acheter juste le drone sans la manette, et donc vous vous retrouvez avec un drone à 739 euros. Sachant que vous avez une autonomie de à peu près 34 minutes sur le DJI Mini 3 Pro, donc ça peut être intéressant si vraiment vous voulez upgrader votre proposition. Surtout que vous passez du DJI Mini 2 avec un capteur 12 mégapixels à un capteur qui est de 48 mégapixels. Donc vous avez beaucoup plus de possibilités. La nacelle du DJI Mini 3 Pro monte beaucoup plus en hauteur pour faire des angles de vue nouveaux qu'il n'y a pas sur le DJI Mini 2. Donc ça peut être un élément de réponse pour ceux qui veulent passer le pas. Donc vous avez aussi de meilleures performances au niveau prise de vue, que ce soit la calca qui est améliorée. Vous avez aussi plusieurs positions de prise de vue, soit en paysage, soit en portrait. Donc on peut switcher sur les deux positions que sur les autres DJI Mini SE et Mini 2 n'ont pas. Donc ça c'est pas mal, ça peut expliquer aussi l'écart de prix qu'il y a entre les gammes. Après vous avez une deuxième gamme de prix dans le DJI Mini 3 Pro, c'est celle avec la manette d'ancienne génération qui est du Mini 2. Donc avec cette manette, le DJI Mini 3 Pro se retrouve à 839 euros. Après vous avez une autre offre qui est à 999 euros avec une autre manette, c'est-à-dire une manette avec un écran intégré, c'est la manette DJI RC. Et donc là vous avez le pack qui est à 999 euros. Alors le pack, c'est-à-dire manette avec écran incorporé et drone, hein, c'est tout, hein. Après vous avez plusieurs options. Si vous voulez un bundle Flymore, alors sur les anciens packs, que ce soit le Mini 2 ou le SE,
il y avait des offres, le drone plus le pack. Tandis que là, c'est une option, il y a juste à acheter le pack du DJI Mini 3 Pro et après, il faut ajouter le kit Bundle Fly More. Alors ce kit Bundle Fly More, il est en plus, il faut débourser en plus 189 €, ce qui vous permet d'avoir deux batteries, un chargeur de batterie pour pouvoir les charger plusieurs en même temps. Et puis quelques hélices pour changer les hélices du drone. Après, vous avez en option, vous pouvez rajouter un jeu de 3 filtres ND qui est à 49 €. Et là-dessus, vous pouvez aussi en option rajouter les assurances DJI CarFresh. Donc pour un an, c'est de 85 € et pour de 2 ans, c'est 139 €. Après, vous pouvez rajouter là-dessus encore une option. Vous pouvez rajouter un chargeur rapide 30 watts. Donc ça, c'est 19 €. Si on fait le total de toutes les options, de tout rajouter, on part d'un pack DJI à 999 € avec la nouvelle manette, plus toutes les options, on arrive pas loin de 1400 €. Donc, par ce prix-là, avec toutes ces options, vous comprenez bien qu'on se rapproche d'un produit plus accès à mon sens professionnel que de débutant. Donc là, on peut déjà avoir un début de réponse. Mais on va continuer un peu la comparaison au niveau des prix. Alors, DJI laisse plusieurs DJI Mini en commande, c'est-à-dire sur son catalogue. Donc vous avez toujours accès au DJI Mini 2, que lui, il commence à 459 € avec une manette. Et puis vous avez le pack DJI Mini 2 plus le bundle Fly More qui est à 599 €. Donc vous voyez, vous avez quand même un écart de prix qui est quand même assez conséquent. Si on prend toutes les options pour le Mini 2, c'est-à-dire le car refresh plus protection d'hélice plus chargeur 30 watts et tout ça, donc on a au maximum sur le DJI Mini 2 un tout qui fait 686 €. Donc on passe de 1395 €, c'est-à-dire pratiquement 1400 € à 690 € pratiquement, hein, à quelques euros près. Donc vous voyez, vous avez quand même un écart qui est près de 800 €. Donc surtout qu'avec le DJI Mini 2, on peut faire de la 4K. Bon, c'est la 4K à partir d'un capteur de 12 mégapixels, mais déjà l'année dernière, il avait un bon retour d'expérience de certains consommateurs. Donc déjà, si vous voulez avoir un truc assez récent pour commencer, vous pouvez vous prendre le DJI Mini 2, il est pas mal. Il est un peu élevé quand même si on veut prendre quelques options pour un début, je parle, hein, pour un débutant. Mais c'est encore abordable par rapport au DJI Mini 3 Pro. Après, dans la gamme toujours de DJI, vous avez le début de gamme que DJI laisse avec le DJI Mini SE. Donc vous avez, c'est-à-dire c'est une mise à jour de celui-là, de ce drone que j'ai depuis un peu plus d'un an, qui est le Mini première version. Donc c'est une mise à jour de celui-là avec une amélioration de la batterie de quelques minutes qui tient 2-3 minutes supplémentaires. Vous avez des moteurs à peine un peu plus puissants qui permettent une meilleure tenue au vent. Vous avez aussi sur ce DJI Mini SE, c'est-à-dire un prix de départ de 299 € avec une manette bien sûr. Et vous avez aussi ce Mini SE plus le bundle Fly More, qui, le tout revient à 399 €. Si on veut rajouter le maximum d'options qu'on peut avoir sur ce DJI Mini SE, on arrive en tout à 467 €, c'est-à-dire, bon, en rajoutant quelques euros, 470 €. Donc vous voyez bien que pour un débutant, le Mini 2 ou le Mini SE, qui ressemble beaucoup à celui-là, vous permet de débuter à des prix beaucoup moins forts que le DJI Mini 3 Pro. Sachant que ce sont les trois, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 2 et DJI Mini SE, ce sont des drones qui sont dans la même catégorie, c'est-à-dire des drones qui sont à 249 grammes. Donc à 249 grammes, ça implique quoi ? Ça implique
que vous n'avez pas besoin d'avoir une formation, donc vous pouvez l'utiliser en drone de loisir dans des zones qui sont prévues à cet effet, parce que vous avez des cartes qui sont mises à jour par des services, que ce soit Fatango, soit les cartes que fournit aussi DJI sur son application, et qui donnent des zones, les zones vertes où c'est que vous pouvez voler. Et donc vous n'avez pas besoin d'une formation vu que ça reste dans les 249 grammes. Par contre, vous devez, par rapport à il y a quelques années, c'était pas obligatoire, maintenant c'est obligatoire, vous devez quand même le déclarer sur le site AlphaTango qui est affilié à l'État. Ce qui vous donnera un papier qui ressemble un peu à une carte grise de l'appareil. Hein? Donc ça c'est obligatoire. Après, ces trois drones, donc surtout le DJI Mini 3 Pro, dans sa gamme de prix, rentre en concurrence avec un autre produit de chez DJI qui s'appelle le Mavic Air 2, qui n'est pas dans la même catégorie parce que c'est un drone qui est de 570 grammes. Donc là, vous êtes obligé d'avoir une formation de quelques heures qui se fait toujours sur AlphaTango, le site AlphaTango, et qui voilà, vous avez besoin à peu près de entre 10 et 20 heures de formation, et vous passez un petit examen, il faut faire aucune faute et vous avez votre formation qui est validée. Donc ça vous permet de pouvoir piloter un drone de 0 à 800 grammes inclus. Donc voilà, donc ça c'est la différence. Mais au niveau prix, le Mavic Air 2 actuellement, plus qui est équipé plus du bundle Flymore, plus le car refresh. C'est un appareil qui a une autonomie de 34 minutes, qui a une résistance au vent de 40 km/h, donc à peu près dans la même gamme que le DJI Mini 3 Pro, et qui est actuellement à 839 €. Donc vous avez le Mavic Air 2, le bundle avec plusieurs batteries et un chargeur, avec quelques hélices supplémentaires et un sac de transport, donc il est à 839 €. Donc vous voyez bien qu'on rentre en concurrence dans les prix avec le DJI Mini 3 Pro. Alors, surtout que les capacités vidéo des deux appareils, le Mavic Air 2, sont similaires avec le DJI Mini 3 Pro. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas monter dans les angles en hauteur comme peut le faire le DJI Mini 3 Pro, parce que ça, c'est une nouveauté. Et puis, de choisir entre le paysage et le mode portrait en prise de vue. Donc ça, c'est exclusif au DJI Mini 3 Pro. Mais ça se pose la question parce qu'on a un appareil qui est beaucoup plus rapide, le Mavic Air 2. Ça se pose. Donc on a un appareil qui est beaucoup plus conséquent, donc on peut voir beaucoup mieux au pilotage l'appareil, parce qu'en France, il faut rester quand même dans une... On peut faire voler son drone, mais il faut le voir. C'est-à-dire, dès que vous ne le voyez plus, vous devez le faire revenir parce que vous êtes hors la loi. Hein, donc ça, c'est une spécificité du règlement qu'on a en France. Voilà, on a une portée aussi de communication entre les manettes qui sont similaires entre le Mavic Air 2 et le DJI Mini 3 Pro. Donc c'est à vous de voir. Si vous préférez un appareil un petit peu plus gros que ça, bon, voilà, le Mavic Air 2, il est à peu près voilà, de cette taille-là par rapport au Mini. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous préférez quelque chose d'un peu plus imposant, un peu plus lourd. Donc après, c'est les préférences. Hein. Voilà ce que je voulais vous rapporter au niveau tarif. Donc maintenant, moi, je vais vous dire en conclusion ce que j'en pense. Moi, je pense que pour débuter, parce que le sens de cette vidéo, c'est de savoir les prix de ces appareils que je vous ai cités pour voir ce qui est bon pour un débutant. Moi qui suis débutant depuis un an et que j'utilise ça, le Mini 1, pour moi c'est suffisant. Donc par là, mon choix se fait pour vous sur le DJI Mini SE, surtout si vous avez un budget très serré, vous allez prendre énormément de plaisir. Vous ne ferez pas de la vraie 4K dessus, vous êtes limité à une définition 2,7K. Fait des très belles vidéos, parce que vous avez pu voir sur la chaîne cette année, j'ai fait quelques vidéos en drone que j'ai mis dans les vidéos, et on voit pas la différence. Donc il faut vraiment après cropper dans les images
pour voir que les images se dégradent, si on veut faire un gros plan, si on veut cropper dans les images. Mais ça, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, pour moi, le meilleur pack pour débuter, c'est le DJI Mini SE. Si vous avez des moyens à peine un peu plus importants, vous pouvez passer effectivement sur le DJI Mini 2 pour 200€ de plus avec le Fly Combo More. Donc ça vous permet de faire des vols beaucoup plus longtemps qu'avec une seule batterie. Et donc voilà, parce que pour moi le DJI Mini 3 Pro a un accent qui est mis sur le côté vraiment pro. Donc ça va intéresser beaucoup les professionnels qui veulent un petit appareil fiable, bardé de capteurs, parce qu'il y a beaucoup plus de capteurs de détection d'obstacles que sur le Mini 2 ou le Mini 1. Donc vous avez, c'est vrai, vous avez vraiment la gamme de prix du DJI Mini 3 Pro est vraiment justifiée, hein. Mais pour débuter, vaut mieux le Mini SE, voire le Mini 2, si vous avez un budget à peine un peu plus important. Et le DJI Mini 3 Pro, on le laisse pour le professionnel ou pour celui-là vraiment qui n'a pas de soucis avec son budget. Donc voilà, voilà pour moi la vidéo se termine. Je tenais à faire avec ce début d'été qui s'annonce cette vidéo pour pouvoir vous aiguiller différemment des autres youtubeurs qui vont vous faire des tests sur les drones et tout ça. Donc moi je n'ai pas la possibilité d'avoir en main le DJI Mini 3 Pro, donc j'ai préféré axer cette vidéo sur le côté budgétaire et mettre en concurrence différents budgets et différents appareils qui sont actuellement en course. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!